Nous sommes réunis ici en la présence de Dieu, avec notre attente et portant avec nous les attentes du monde, les attentes de notre terre, les attentes pour cette nouvelle année. Nous venons avec notre foi, mais aussi avec nos doutes, avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs. Nous venons tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous invite à le rejoindre. Il a promis de ne jamais se détourner de nous. Nous venons vers lui, comme il vient à nous en Jésus. Il sait par expérience à quoi ressemble la vie des humains. Alors, soyez les bienvenus pour ce culte vidéo paroissien habituel ou passant. Avec le psaume 72 de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droite aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur le terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira. Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba.
Ils prieront pour lui sans cesse et ils béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Et maintenant, nous prenons le cantique 21-07. Qu'aujourd'hui toute la terre, strophes 1 et 2. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide, afin d'être meilleur. Mon Dieu, tu chantes pour moi, tu chantes pour chacun de nous, un chant d'amour fidèle depuis les temps anciens. Et si souvent, nous ne l'entendons pas. Tu offres une eau claire pour étancher ma soif, pour calmer notre soif à tous. Et si souvent, nous ne buvons pas à ta source, passant à côté sans la voir. Éternel, tu prends soin de moi. Tu prends soin de chacun de nous. Et nous, si souvent, nous bousculons les autres pour leur prendre leur place, ou nous passons auprès de celui qui a besoin d'aide, sans le voir. Seigneur, jusqu'à quand? Viens toi-même retrouver en nous ce qui est perdu. Viens au secours du faible et calmez nos peurs et nos souffrances. Merci pour ta présence qui exauce notre prière. Amen. Nous prenons le spontané 48-07, Mon Dieu plus près de toi, la strophe 1. La parole de grâce que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Chantons le spontané 46-10, strophes 1 et 2, « Ouvre mes yeux, Seigneur ».
écoutons la volonté de Dieu que nous trouvons dans le même épître aux Éphésiens. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné, à vous, à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Chantons maintenant le spontané 1207, les strophes 1, 2 et 3. Tournez les yeux vers le Seigneur. Chantez.
Voici dans notre culte le moment de lire ensemble la parole de Dieu. Trois textes nous sont proposés pour ce matin. D'abord les versets 1 à 6 du chapitre 60 du livre du prophète Ésaïe. Puis quatre versets d'une lettre de l'apôtre Paul à une église, celle d'Éphèse. Donc les versets 2 à 6 du chapitre 3 de l'épître aux Éphésiens. Puis nous irons nous promener en Orient avec des mages qui viennent apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. Donc Michel nous lira ce passage-là dans Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Mais avant de lire les Écritures, prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Aide-nous à bien la lire, à bien l'en comprendre. Merci Seigneur parce que c'est elle qui nous apporte ta bonne nouvelle. Amen. Ésaïe, chapitre 60, les versets 1 à 6. Debout, Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées dans les bras. En voyant cela, tu brilleras de joie, ton cœur battra de bonheur. En effet, les richesses de la mer arriveront chez toi, les trésors des autres peuples parviendront jusqu'à toi, Jérusalem. Des troupeaux de chameaux te couvriront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha, ils viendront tous de Saba. Ils apporteront de l'or et de l'encens, et ils chanteront devant tous la louange du Seigneur. Lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 1 à 6. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous, afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres. Mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit, à ses apôtres saints et à ses prophètes. Voici ce mystère. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps, ils participent à la même promesse. Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus naît à Bethléem en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ?» Ils lui répondent « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ? » Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère.
Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Amen. En ce premier dimanche de l'année, traditionnellement, l'évangile de Matthieu, avec son cortège des rois mages, nous est proposé pour la méditation. Peut-être même qu'après ce culte, vous passerez à la boulangerie, vous procurez une galette. Certains préfèrent la brioche, d'autres sont amateurs de frangipane. Mais avant de retrouver nos savants venus d'Orient, nos suiveurs d'étoiles, je vous propose un détour par Éphèse, ou plutôt par les versets 4 à 6 du chapitre 3 de l'épître de Paul aux Éphésiens, passage que nous venons de lire. Quand Paul l'écrit, Paul est en prison à Rome. Il s'adresse aux chrétiens de la ville d'Éphèse, qui est en Asie mineure, mais d'après les commentateurs, sa lettre est destinée à un public beaucoup plus large, à l'ensemble des églises de cette contrée. Dans cette épître, en effet, l'apôtre Paul va développer le thème de la richesse et de la grâce que Dieu accorde à tous, juifs et non-juifs, par Jésus-Christ. L'apôtre Paul connaît bien Éphèse, il y est allé deux fois. Lors de sa première visite, tout juste arrivé à Éphèse, il s'est rendu à la synagogue, ce lieu où les Juifs se rencontrent pour étudier les Écritures et prier ensemble. Rappelons que l'apôtre Paul lui-même est juif. À la lecture du chapitre 18 des Actes des Apôtres, on devine qu'il n'a fréquenté que cette assemblée lors de son court passage. Lors de son deuxième séjour, beaucoup plus long puisqu'il est resté 3 ans, les 3 premiers mois, il se rend régulièrement à la synagogue pour y prendre la parole. Il nous est dit que plusieurs s'entêtaient et refusaient de croire, voire se moquaient de l'évangile qu'annonçait Paul. C'est la dernière fois que le livre des Actes des Apôtres nous présente Paul dans une synagogue. Un tournant dans les modalités d'annonce de l'évangile pour cet apôtre, mais non dans le message lui-même. Alors, Paul est allé prêcher dans un autre endroit, l'école tenue par un certain Tyrannus. C'est suite à sa prédication ainsi qu'au miracle qui l'accompagnait que beaucoup de juifs et des non-juifs éprouvèrent beaucoup de respect pour le nom du Seigneur Jésus, comme nous dit le livre des Actes. C'est donc à une communauté mixte de juifs et de non-juifs que cette lettre est adressée. Que dit-elle? Soyons attentifs, car si cette lettre a été retenue dans le canon du Nouveau Testament, c'est qu'elle a quelque chose d'important à dire, même à nous, Niortais en 2021. Relisons donc les versets 3 et 4. Si, du moins, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pourrez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Drôle du mystère que l'Évangile, c'est un mystère qui se fait connaître à tous. Nous pouvons être connaissants aux apôtres, aux prédicateurs qui nous l'ont annoncé, ainsi qu'aux sociétés bibliques, traduisant, imprimant et diffusant la Bible. Mais quel est cet évangile? Revenons plus en avant dans l'épître aux Éphésiens, par exemple au verset 4 du deuxième chapitre. Mais la compassion de Dieu est immense. Je cite. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Cette bonne nouvelle doit donc être connue de tous. Dieu est un Dieu qui nous fait vivre, quel que nous sommes, et malgré tout le mal que nous pouvons provoquer autour de nous. Non pas une vie étriquée, enfermée dans un héritage, qu'il soit religieux ou non, mais une vie vivifiante. Le verset 6 nous fait partager un autre secret. Secret si bien gardé,
qu'il est proclamé par des millions de chrétiens. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs l'héritage que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres d'un même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, qui pour nous se décline au passé, avec le terme héritage, au présent avec la mention d'un corps, et au futur, et c'est le mot promesse qui apporte ce futur. Réécoutons ce verset. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs l'héritage que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres d'un même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Première déclinaison de cette bonne nouvelle, un héritage. Ce 3 janvier 2021, au seuil d'une nouvelle année, nous sommes ici avec notre propre passé, avec l'histoire de notre famille, de notre pays, de notre continent et de notre planète. Également avec le souvenir de cette année 2020 que nous n'avions vraiment pas imaginée comme nous avons dû la vivre. Elle nous laissera un héritage, sera-t-il bon ou mauvais? Les deux vraisemblablement. Avec la balance penchant plus ou moins d'un côté selon ce que nous avons vécu. En regardant dans le rétroviseur, nous verrons les changements qu'elle a apportés à nos habitudes, à notre société, à notre vie d'église. Nous avons dû collectivement nous mettre à de nouveaux modes de vie, modes de relations sociales. Nous avons inventé une nouvelle façon d'église, tout en étant confiné. La société a pris conscience que, quitte à ralentir l'économie, elle devait prendre soin des plus fragiles. Mais quel est l'héritage que Dieu nous promet? C'est l'héritage d'une relation, d'un dialogue entre un Dieu et son peuple, un peuple pour qui Dieu est le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le Dieu qui a libéré Israël de la servitude en Égypte, le Dieu qui a tant de fois pardonné au roi David, le Dieu du retour du peuple d'Israël en exil à Babylone, le Dieu d'Ésaïe aux prophéties si lumineuses que nous avons lues tout ce mois de décembre, le Dieu des psaumes qui porte encore de nos jours nos louanges, nos repentances, nos colères et nos espoirs. Voilà notre héritage. La deuxième déclinaison de la bonne nouvelle. Nous sommes membres d'un même corps. Cette année 2020 nous a rappelé l'importance du corps social, de la dépendance de chacun avec l'autre, tant à l'échelle de la planète qu'à celle d'un EHPAD. En Église, c'est pareil. L'Église, un seul corps. Cette idée avait déjà été développée par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Là, il voulait expliquer que chacun de nous est différent, avec autant de différences qu'il y a entre un pied et une main, et pourtant nous sommes appelés, chacun en fonction de nos compétences, à faire église ensemble. Il rappelle que si un seul organe du corps souffre, l'ensemble du corps souffre. Soyons donc attentifs à savoir vivre en communauté, en famille, en société. Certains aiment bien s'armer de bonnes résolutions en début d'année. Dans ce cas, si vous êtes dans ce cas, vous pouvez vous référer aux chapitres 5 et 6, toujours d'Épître aux Éphésiens. Vous y trouverez nombre de bons conseils. Soumettez-vous les uns aux autres. Ne vous enivrez pas de vin. Il n'est pas convenable que vous prononciez des paroles grossières ou stupides, que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs, etc. Nous sommes donc tous membres d'un même corps et faisons attention aux actes que nous faisons.
Enfin, le dernier volet de cette bonne nouvelle, nous sommes tous au bénéfice de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Dimanche dernier, la prédication a porté sur l'évangile de Luc et nous avons accompagné Marie et Joseph allant ensemble au temple avec Jésus bébé. En bons juifs pieux, ils ont respecté les obligations religieuses d'offrir un sacrifice, c'est-à-dire une paire de tourterelles ou de pigeons, suite à la naissance d'un fils aîné. 60 ans plus tard, Paul écrira sa lettre aux Éphésiens. L'enfant Jésus sera devenu prédicateur, aura marché sur les chemins de Galilée, mais aussi en décapode non juive, guérissant les malades, aura annoncé le royaume de Dieu par nombre de paraboles, sera mort sur une croix à Bethléem, à Jérusalem, avant de nous apporter la promesse de la vie par sa résurrection. L'Église n'aura de cesse de proclamer cette bonne nouvelle à tous. Alors, tous, venons prendre notre place dans le cortège des étrangers venus adorer l'enfant nouveau-né. Comme les rois mages, apportons nos présents. Dans nos mains, nous n'avons ni or, ni encens, ni myrrhe. Mais offrons-lui notre louange et notre reconnaissance pour la vie qu'il nous apporte et pour la promesse d'une année 2021 sous son regard. Maintenant, confessions notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit-Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Thank you.
C'est maintenant le temps des annonces. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 au Temple de Niort, dans le respect des gestes barrières, ou sinon rendez-vous en vidéo, donc sur le site internet de la paroisse ou sur le compte YouTube de la paroisse. Un autre rendez-vous dimanche prochain à 10h30 à la grande salle du presbytère sont attendus les jeunes de la catéchèse à partir de 3 ans, puisque la catéchèse est ouverte à l'éveil biblique. Samedi prochain, un culte aura lieu à 15h à la maison de retraite Les Bablottes à Mougon, uniquement pour la période du Covid avec les paroissiens qui sont résidents de la maison de retraite. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine. C'est maintenant le temps de l'offrande. Tout d'abord, un grand merci à vous tous qui avez donné pour que nous puissions boucler la fin de l'année 2020. Vous pouvez faire vos dons en allant sur le site internet de la paroisse et en faisant un don ponctuel ou en mettant en place un don récurrent. Donc n'hésitez pas, vous trouverez à l'écran toutes les indications pour y accéder. Je vous invite à la prière. Seigneur, fais de nous des ouvriers à ton service et reçois notre offrande comme un don fait dans la joie et dans l'amour pour te servir. Amen. Nous prolongeons notre culte avec le moment de la prière dite d'intercession. Seigneur, au seuil de cette nouvelle année 2021, nous nous tournons vers toi. Tout d'abord pour te dire notre reconnaissance pour cette année écoulée. Elle n'a pas été celle que nous avions imaginée et prévue. Cependant, nous avons expérimenté personnellement, en famille, en église ou au travail, que tu as été auprès de chacun de nous. Tu as toujours été là, marchant à nos côtés, nous donnant la force d'innover et de trouver de nouvelles façons d'annoncer ton évangile. Une nouvelle année 2021 est là, avec nos espoirs, nos doutes, et pas forcément mécontents que 2020 soit terminé. Sois avec chacun de nous, pour nous aider à surmonter les défis. Aide ceux d'entre nous qui ont été touchés ou sont encore touchés par le deuil, la maladie, le chômage, ou des conditions familiales compliquées. Nous te prions également pour les médecins et les soignants. Donne-leur la force d'être auprès des malades. Nous te prions pour les autorités de ce monde. Guide-les. Et que la bonne stratégie et les bonnes préventions soient mises en œuvre. Nous te prions pour notre Église. Soutiens ses efforts d'annoncer l'Évangile. Garde chacun de nous dans une même communion fraternelle. Sois avec chacun des membres du conseil presbytéral afin de leur donner la vision d'une Église vivante et unie au Christ. Nous te prions également pour notre diaconat, la CCPN. Sois avec chacun de ses membres, donnant la force et les moyens de répondre aux demandes qui leur sont formulées, et aussi à celles qui, sans être formulées, sont au moins réelles. Et nous voulons, au-delà de ces quelques mots, reprendre la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur, nous savons que tu as entendu notre prière. Amen. Voici la fin de notre culte, mais avant de nous quitter, recevons l'exhortation et la bénédiction.
Par le moyen de la bonne nouvelle, oui. Vous avez reçu l'héritage que Dieu réserve à son peuple. Vous êtes membre d'un même corps, l'Église. Vous êtes aussi au bénéfice de la promesse faite en Jésus-Christ. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la paix et l'amour avec la foi. Oui, que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que Dieu bénisse cette année 2021.